Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pluton n'est pas disponible, mais nous avons un joli coq qui s'appelle Airbus. Et je vous le présente. Bon, il est un petit peu trouillard, il va sans doute s'en aller quand je vais approcher, peut-être pas. Mais aujourd'hui, on va parler des oiseaux de paradis. Hein, ça sent un bel oiseau de paradis aussi. À très de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les oiseaux de paradis, pour ceux qui veulent découvrir ça. Ce sont des très belles plantes exotiques qui font des fleurs. Donc j'ai différentes variétés que je vais vous présenter, de différentes couleurs. Il y a du bleu, du jaune, du rouge, du orange, du blanc, etc. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Et c'est vraiment une plante magnifique. Donc je vous laisse suivre ce qui vient. À très vite. Alors ici, on a un Streltlysia augusta. Je vous mettrai après des photos quand ils deviennent grands. Et quand ils fleurissent, un feuillage très très coriace, très vert. Celui-ci devient grand. Ça résiste pas vraiment au gel, hein. Faut les rentrer l'hiver. Mais ça fait des très beaux pots. Ça, c'est le plus classique, c'est l'oiseau de paradis Reginae. Il devrait pas tarder à fleurir, peut-être cette année. Je vous tiendrai au courant de ce fait si ça arrive. Il a une rainure rouge dans la feuille, vraiment très beau. Donc on a déjà ces deux-là. Ensuite, je vais vous montrer des petits qui sont ici, au milieu de tout mon bazar de plantes exotiques, de Monstera. Alors ça, c'est des petits Reginae et des petits Nicolai. Le Nicolai, je vous en montrerai un plus grand. C'est celui qui fait une fleur blanche. Très beau aussi, tout petit. Dans cela, je suis parti du semis. Vous trouvez des bonnes graines et puis dans une vidéo, je vous expliquerai comment on fait ça. Voilà, jetez un petit coup d'œil autour. Et puis on va passer à des photos. Puis je vais peut-être vous montrer un peu celui que j'ai là-haut, la Streltlysia Nicolai. Voilà. Pas tarder à rentrer tout ça, ça va être du boulot. À très vite. Donc voilà un Streltlysia Nicolai, c'est un semi à moi de l'année dernière. Vous voyez comme ça devient beau. Et voilà, j'en ai dans ma chambre avec moi. Il y a une partie des plantes qui va venir ici, qui m'accompagne. J'aime bien mettre une autre plante avec. Là, c'est un Maranta, c'est très joli. Là, on a Streltlysia augusta. Et petit à petit, je vais rentrer toutes les plantes ici. Je vais vous montrer. Voilà. Un Monstera qui va grimper un peu là. Et d'autres petites plantes. Des syngoniums. Et ici, ce sera un petit endroit avec des plantes et que je pourrais allumer la lampe qui est là de temps en temps. Ça se verra un peu de l'extérieur comme une petite vitrine. Voilà, c'est un philodendron Burlmark qui était variegata mais qui ne l'est plus. Enfin voilà, maintenant je vais vous montrer un peu les différentes fleurs.